والصلاة والسلام أتمان أكملان على أفضل الحق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. شفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سبحانه وتعالى فإلا بالنسبة لله سيد البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم sur ses familles, sur ses compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi et la sincérité dans l'adoration, car Allah pardonne nos erreurs, car Allah pardonne nos défauts. Nous sommes dans les sourates al-Mu'minun. Hier, on s'est arrêté verset 92-10. Aujourd'hui, on va quitter verset 91. Allah dit quoi? بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans cette verset, les gens qui disent que Allah est enfanté, c'est-à-dire Allah est l'enfant, Allah dit louange à lui d'avoir un enfant. Ça c'est le mot le plus mot sale qu'on a utilisé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Avant que quelqu'un cherche l'enfant, c'est manque de faiblesse. C'est quand il est faible, il cherche à avoir l'enfant. C'est l'homme qui est manquant, qui cherche à avoir l'enfant, c'est l'homme qui est qui va mourir, qui cherche à avoir l'enfant. Donc il est mortel, il cherche à avoir l'enfant, mais lui Allah il est immortel. Lui Allah subhanahu wa ta'ala, il est suffisant à toutes ces choses. Et il dépasse, sa force dépasse d'avoir un enfant. C'est ça, il a dit, Mattahazallahu min waladi. Allah n'a jamais enfanté, il n'a jamais trouvé un enfant. Wa ma kana ma'ahu min ilah. Et ne pensez même pas, il n'y a aucun quelqu'un qui a encore divinité comme Allah qui mérite l'adoration. Allah dit, il n'y a pas un Dieu en dehors de lui. Il est seul. Il n'est pas de l'aide. Il n'a même pas besoin. Et il ne mérite même pas d'avoir l'aide. Subhanahu wa ta'ala. Il a dit, mais s'ils étaient des dieux, il y avait un Dieu en dehors de lui, Allah, ce moment, la Zahaba kullu ilahi. Tout Dieu, les deux dieux, chaque Dieu, Zahaba, il devait contrôler. Bima halako. Et les créatures, les choses qu'il a créées, lui aussi devait commander ça. Voilà Allah Badom ala Bad. L'autre Dieu devait chercher pour dominer l'autre Dieu. Parce que s'il y a des capitaines, il faut que l'autre commande l'autre. Et de l'autre Dieu devait chercher pour commander l'autre Dieu. Allah dit subhanahu wa ta'ala. Louange Ali, il est seul. Louange Ali, il n'est pas de l'enfant. Louange Ali, il n'est pas de femme. Subhanahu wa ta'ala. Amma yushriku amma yasifun. Subhanallah, louange Allah, amma yasifun. À travers de tous les noms, à travers de toute imagination, à travers de tous les propos sales qu'on tient sur Allah, Allah il est loin de ça. Ce qui dit Allah c'est le fils de Maryam, Allah dit je ne suis pas là-bas. Ce qui dit Allah il est trois des trois, le père, le mère, le fils, tout ça là, Allah dit je ne suis pas là-bas. Ce qui dit le fils de Marie, Jésus, c'est l'enfant de Allah, Allah dit subhanahu wa ta'ala. Tout ça là, Allah dit je ne suis pas là-bas. Ceux qui pensent qu'il y a un Dieu en dehors de lui, Allah dit louange à lui. Il est seul, il gouverne seul, il prend ses décisions seul, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez cette partie, c'est ça qui a fait que sourate al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad, si quelqu'un lit ça, il a le mérite. Parce que qul huwa Allahu ahad, c'est les gens qui ont venu demander le prophète Muhammad. Allah, que tu dis qu'on a qu'à l'adorer, il est diamant, il est l'or, il est caillou, il est quoi? Est-ce qu'il est Dieu, il est seul ou sont-ils sont deux? Allah a mené cette verset. Il dit le prophète, il faut le dire, qul huwa Allahu ahad, dit Allah, ahad, il est seul. Allahu samad, Allah, c'est auprès de lui que tout le monde cherche samad, son besoin. Lam yalid, Allah, lam yalid. Il n'est pas enfanté, et il n'est pas aussi été, il n'est pas engendré, il n'est pas été engendré. C'est-à-dire, Allah n'a jamais fait l'enfant, et Allah aussi n'est pas des parents. C'est ça qui est l'ami Yelid, ou l'ami Yulid.
Et walam yakul lahu kufwan ahad. Et lui, Allah, lui aussi, il n'est pas de kufwan ahad, dit que voilà le ressemblant de Allah, tel ressemble à Allah, il ressemble à Allah. Allah dit tout ça, il n'y a pas. Le prophète Mohammed, à travers de cette verset, certains, ils aimaient ça, ça a été les causes qu'ils ont eu le paradis dans les dunya. Ils ont aimé surat al-Ikhlas tellement que ça contient les cités de Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui lit ça dans la nuit avant de dormir, Allah te donne récompense comme tu as lu 3/3 du Coran. 40 de la compréhension. Lui, Allah, il n'est pas l'enfant. Tu as vu les gens qui cherchent l'enfant, et nous tous, on a besoin d'avoir l'enfant. Parce qu'un jour, tu ne seras pas là, ton enfant va t'irriter. Peut-être que tu as engagé certains projets, tu n'es pas pu les arriver, ton enfant va continuer. Parce que tes jours sont comptés. Un moment, tu seras là. Un moment tu n'es pas là, un moment tu n'étais pas et tu t'as trouvé, un moment tu ne seras plus encore. Mais lui, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-awwal wal-akhir wal-zakhir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim. Il n'y a pas de finition, il n'y a pas de fin, on ne priera pas qu'Allah a commencé comme ça. Non. Car Allah doit la compréhension. C'est à cause de ça, il y a les mots que les gens ils utilisent. Et il dit Allah huwa al-awwal al-awwali. Ça, ce n'est pas les mots qui sont bien. Ça ne correspond pas son Allah. Il faut dire quoi l'awwal? Il est le début. Si tu dis awwal l'awwalina, il est le premier des premiers. Là, il y avait quelqu'un, il a eu le premier, et le premier encore. Quoi l'awwal? Allah, il est seul. Wal akhir, il est le dernier. C'est-à-dire, Allah, quoi l'awwal? Il est le premier, et il n'y a pas quelqu'un qu'on va dire était avant Allah. Akhir, et après tout le monde va finir, c'est lui, Allah seul encore qui va rester. Il n'est pas de début, il n'est pas de fin. Toyibu, ça veut dire ça ici, ça c'est des kalimats. Dans le verset, Allah dit Takaïru Samawatu. À travers ce qu'on a dit, Allah il est l'enfant, le ciel est énervé, le ciel dit Allah laissez, je vais tomber sur les gens qui disent que tu es l'enfant. Il y a ta facteur dans le fort qui est. Le ciel devait déchirer, même les montagnes se sont énervées. Ça c'est le plus mot sale. Qui embête Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Allah dit quoi? Alim al-ghayb wa shahadati fa ta'ala amma yushrikoun. Alim al-ghayb wa shahada. Allah c'est lui qui connaît l'invisible. Wa shahadatu. Et Allah qui connaît invisible et visible et invisible. Ce qui est clair, nous voyons, c'est Allah qui connaît. Ce qui est caché, c'est Allah subhanahu qui connaît. Imam Abu Qasim dit Ya'lamu ma yajibu anil mahluqati wa ma yashhadunahu. Et Allah lui connaît tout ce qui est caché pour les créatures. Dans les suratul Haqq, il dit Fala uqsim bima tuksiruna wa ma la tuksirun. Je jure par les choses que vous les voyez. Allah permettez les yeux de voir ça. Et au mal à tous, il y a les yeux que les yeux ne voient pas. D'accord? Allah, mais les yeux, nous, c'est notre yeux là qui ne le voit pas. Mais lui, Allah, il les voit. Et aujourd'hui, il y a certains fournis. Il faut mettre certaines lunettes de blanc qu'on a fait avant que tu puisses les observer. Tellement qu'ils sont petits, mais qu'ils les nourrissent. Javi, toi, tu ne les vois pas. Allah, lui, voit. C'est ça, il dit Ah, les monogues, il dit. C'est Allah qui connaît ce qui est invisible et il connaît ce qui est public aussi. Le paradis, c'est gay. L'enfer, c'est gay. L'enfer de Yom Al-Kiyama, quand Allah parle, c'est gay. Allah il connaît ce qui est dedans. Car Allah donne la compréhension. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, c'est pour qu'il va nous dire lui connaît notre extérieur, notre intérieur. Là, il n'y a rien qui est caché. Allah il connaît la nuit, la journée, c'est pareil auprès de Allah. Tu as fait ça en public, tu as caché, c'est auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous pardonne. Non. Qur Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Alim al-ghayb wa shahada. Allah connaît ce qui est visible et invisible. Il a dit, fata'ala, le pouvoir de Allah au-dessus, amma yushirkun, à travers de l'association qu'on associe à Allah. Allah, son pouvoir dépasse tout. Allah dépasse, dit que Allah c'est un caillou. Allah dépasse, sa force dépasse, dit que Allah c'est un arbre. La force d'Allah dépasse que c'est un être humain. Comme un prophète dédié, il est Allah. La force d'Allah dépasse ça. Tout ça, là, Allah dit, il est depuis dépassé là-bas. Fata'ala Allah. Sabi isma rabbika a'ala.
Le pouvoir d'Allah dépasse tout ça là. Amma yashirkun, à travers de tout ce qu'on est en train d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il a dit le prophète, il faut dire, pour dire, Rabbi, oh Allah, mon créateur, imma turiyani ma yu'adun, il faut me montrer ce que tu les as réservé. Le moment qu'on a embêté le prophète Mohammed, Allah dit, il faut faire ce devoir. Il faut dire, Allah, montre-moi ce que je les ai réservés. Les ennemis qui t'embêtent, Allah les a réservés que toute personne qui a traité le prophète menteur, ou il a embêté le prophète à travers de l'acte ou le mot, même le doigt, tu n'as pas le droit de montrer le prophète en minimisant le prophète Mohammed. Toute personne qui a fait ça sur le prophète, Allah, il faut dire, Rabbi, oh Allah, ou Rabbi, dit Allah, imma tuyani ma yu'adun. Il faut me montrer ce que tu les as promis. Dans l'homme doit la compréhension. Mais quand le châtiment là, ça va venir, il a dit quoi? Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimi. Rabbi, il a dit Allah, fala taj'alni, ne me place pas fil qawmi dhalimi, parmi les injustes. Le moment que le châtiment va venir, Allah ne me place pas dedans. Il faut m'écarter. Ne me place pas parmi les gens qui sont quoi? Qui sont injustes. Ça veut dire ça dans les al-qunut du prophète Mohammed. Un moment, il fait dit wa iza arada bi ibadika fitna fatawaffani ghayra maftuni. Le moment que tu veux éprouver tes serviteurs, tu veux les amener chez tes châtiments, Allah écarte-moi. Faut pas me mélanger dedans. Car l'on doit la compréhension. C'est ça, il a dit Rabbi, oh Allah, fala taj'alni, ne me place pas parmi le peuple des injustes, ceux qui t'ont désobéi, ils t'ont associé, ils t'ont traité de Moussa. Alors quand tu vas les attraper, ne me place pas parmi eux. Allah protège-nous tous contre les fidèles. Non. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadiru. Allah dit wa inna nu Allah, ce que tu demandes, ala nuriyaka, on peut te montrer. Manu idduhum, ce qu'on les a réservé, le châtiment, que ça peut être dunya ici, on peut te montrer toi, prophète, tu vois comment on va les écraser. Mais nous, Allah, la Khadir, nous ne sommes pas parlé de ça. Mais ce que tu as demandé, si ça nous plaît, nous, Allah, on va te montrer certains ennemis qui ne t'aiment pas. Tu vas voir comment ils vont finir. Le prophète a vu certains leurs morts. Certains aussi, ça après dépend des prophètes, Dieu les a écrasés. Certains, le prophète, les a, ils sont morts devant le prophète. Abu Jahl est mort devant le prophète. Wali Mugira est mort devant le prophète. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Tout ça, c'est les grands types, les grands grands qui ont embêté le prophète. Allah fait qu'ils sont morts devant le prophète. Mais certains, ça a pris le prophète Mohammed. C'est ça, il a dit Wa inna ala nuriyannaka. Nous, on peut te montrer, Manu idum, ce qu'on a promis pour eux. Nous sommes capables. La Kadirou, nous sommes capables. Certains aussi disent Aouna tawafayannaka. Si on veut aussi, on va te tuer après que ça va réaliser. Et les deux côtés, Allah a fait. Ça veut dire ça, un moment, quand tu souhaites certaines choses, tu peux faire certains doigts que tu veux ça. Mais Allah ne te donne pas ça. C'est après ta mort qu'Allah va réaliser ça. Peut-être Allah va réaliser ça pour tes enfants. Allah va réaliser ça pour tes enfants. Tous les enfants vont bénéficier avec ton doigt que tu as fait. Pour ça, certains tes parents vont bénéficier avec ce doigt que tu as fait. Regardez le doigt que le prophète Ibrahim a fait à la Mecque. Rabbi Rabbi Ijar Haza Baden. Amen. ورزق أهله من ثمراته من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر قال فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Il a prié pour la Mecque et il dit transforme cette cité, la cité de la paix, cité de la richesse, donne-le les fruits. Le prophète Ibrahim, c'est comme ça, il a fait ce doigt. Mais ce doigt là aujourd'hui, vous voyez, c'est une triste qui est en train de profiter avec ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté ses doigts et autres dit, c'est nous tous qui profitons avec ça. Par le prophète Ibrahim seulement, car on doit la compréhension. Non. Idfa billati hiya ahsanu sayya. Nahnu a'lamu bima yasifu. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit idfa. En tant que tu es prophète de Allah, idfa, il faut pousser. Non, et de faire billati hiya ahsan sayya. À chaque moment, si quelqu'un t'a fait du bien, toi il faut faire le mal pour pousser le bien qu'il t'a fait. C'est-à-dire, en tant que tu es prophète de Allah, tu es prophète de dunya, faut pas rendre le mal contre quoi? Le mal. Si on te fait le mal, il faut rendre quoi? Le bien à la place. Je ne sais pas si vous comprenez. En tant que prophète Mohammed, toi c'est comme ça on t'a dit.
Et c'est comme ça la vie du prophète Mohammed. Il était quelqu'un, il ne rendait pas le mal avec le mal. Quand tu lui fais du mal, c'est le bien qu'il te rend. Sallallahu alayhi wa sallam. Certains, même le prophète ne les a pas fait d'avoir de rentrer dans l'islam avec les prêches. C'est le bien que le prophète les a fait, ça les a poussés, ils sont rentrés dans l'islam. Et tout ça là, Allah il dit ça le prophète. Même nous aussi, quand tu paies, c'est ça qui est bon. Si quelqu'un te fait du mal, il faut le rendre avec le bien. Mais ça là, Quran a dit, c'est pas facile, hein. Il a dit, on ne peut pas trouver ça sur tout le monde. Dans l'autre verset, dans les sourates Khudurat, si je ne me trompe pas. Ici, c'est comme ça, Allah dit le prophète Mohammed. Et des fa'abilleti, il faut pousser avec celle, il y a un sens qui est bon, mais seyi'a, avec le mal qu'on t'a fait. Quelqu'un qui t'a insulté, il faut prier Allah de lui pardonner. Quelqu'un qui t'a offensé, laisse-lui. Quelqu'un qui vient t'embêter, il ne faut pas lui faire du mal. Allah dit, nahanu, c'est nous Allah, a'alam bima yasifun. C'est nous Allah qui connaît les mots qui sortent dans leur bouche, les propos qui sortent dans leur bouche. Et comment on te traite toi-même prophète? Allah dit, on connaît tout. Ça c'est quel prophète? Quel prophète qui mange nourriture qu'on mange? Nous on mange nourriture, le prophète aussi mange nourriture. Encore le prophète qui parle au marché pour vendre. Vous avez entendu? Les Arabes même ils ont dit quel prophète qui fait les commerces? Le prophète il vend, sallallahu alayhi wa sallam. Il achète, il vend. Le prophète a travaillé, il a travaillé pour sa femme Khadija. Khadija donnait le prophète marchandise. Le prophète, il partait et il vendait. Et il amène l'argent, il donne à Khadija. Khadija enlève son part et il donne maintenant les salaires du prophète. Et ce qu'ils ont compris, c'est comme ça. Vous savez pourquoi Khadija a marié le prophète Mohammed? Si c'est nous, on ne peut pas marier la femme. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends marchandise, tu donnes quelqu'un, lui veut gagner bénéfice, ça dépasse toi, le propriétaire. Quand tu donnes quelqu'un quelque chose d'aider à travailler, lui peut bénéficier, ça dépasse toi. Le prophète n'est pas été comme ça. Khadija a vu comment le prophète Mohammed, il était sérieux quand il lui donne marchandise. Il était correct dans ses propos. Il était digne dans les amana. Khadija a vu, il a dit non, personne ne peut pas voir une qualité d'un homme comme ça, qui gère bien le bien comme ça. Là, s'il est mon mari, il va m'aider pour qu'on gère mon bien. Là, je profite. C'est Khadija même qui a demandé le prophète, dit, je veux que tu vas me marier. Vous avez vu, d'être honnête, ça amène le bonheur. Mais quand tu n'es pas honnête, un moment, certains bonheurs, tu es pressé, mais certains vont t'échapper. Quand tu es honnête, voilà, le bonheur, ça vient. Mais aujourd'hui, nous, on veut vite, on est pressé. Ah, on est pressé. Quand Allah te place quelqu'un, un grand type, tu es pressé. Tu veux ramasser ce qui ne t'appartient pas. Fiu, tu sors dedans. Et tu vas manquer beaucoup de bonheur. Mais si tu patientais tout ce que tu as vu là, Allah va patienter, ça va venir te trouver. Inch'Allah. Et tu gagnes ça, hani, an, mani, an, tayyiba. Manger ça tranquille, la paix et tout. C'est comme ça, le prophète, il était avec Khadija. Le prophète, il travaille dans cette verset, ça montre qu'un homme peut travailler avec une femme. Au niveau de l'argent, c'est pas interdit. Le prophète a travaillé chez Khadija. Un jour, le prophète est venu de marché, il a vendu. Le prophète Khadija a marqué, quand il donne le prophète pour lui, le prophète, il prend dit Allah mabarak. Et puis qu'il prend d'aller amener les barques. Et c'est comme ça qu'on veut de nous. Le travail que vous faites, tu es parti, tu as fait ton travail, tu as amené les recettes, tu as donné le propriétaire des voitures. Et puis qu'il t'a laissé, il faut dire Allah mabarak. Dis comme ça. Passe ça entre toi. Fais du moins, on t'a donné ton enveloppe, tu as mis ton nazareth, mashallah, Allah mabarak. Ce mot-là, c'est le mot qui est lourd. Si Allah a mis le barque dans quelque chose, les choses que 10 millions ne font pas, 100 millions peuvent faire ça. Avec le barque de Allah subhanahu wa ta'ala. Khadija a remarqué ça, il a dit non, ce monsieur. Et quand il part, il est le premier que son marchandise finit. Sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, c'est lui qui a demandé la main du prophète Mohammed. Khadija avait 40 ans, le prophète avait 5 ans. Ils ont célébré le mariage, le plus mariage qui dépasse tout. Après avoir fini le mariage, Khadija a vu que le prophète, il est dit. Même s'il lui confie son bien, il ne va pas bouffer. Il a pris tout le bien, il a dit prends. Prends ça pour aider l'islam d'Allah. C'est à cause de ça le jour que cette dame, béni Khadija, elle est décédée. Le prophète, il pleure. Allah délégué Malak Djibril, l'ange Gabriel. Et il dit, viens demander le prophète. Il pleure pourquoi? Si c'est à cause de Khadija, j'ai bâti la maison des diamants dans le paradis pour Khadija. Il ne faut pas qu'il s'enquête. Vous voyez, le mariage était bien. Car Allah nous donne la compréhension. Car Allah nous facilite. C'est à cause de ça, c'est comme ça le prophète Mohammed, il était honnête. Et Fabillet, il y a Arsène Seyia.
Si quelqu'un te fait du bien et du mal, le prophète, il faut lui rendre avec le bien. Allah dit, nahanu ala bima yasifun. Nous, on est au courant de tout ce qu'ils sont en train de te traiter. Dans l'autre verset, il a dit, idfa billati hi ahsan, fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun, ka annahu waliyun hamim. Idfa billati hi ahsan. Il faut pousser ce qui est mauvais avec le bien. Fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa. L'homme qui t'a provoqué, il t'a insulté hier. S'il te voit aujourd'hui, tu le vois, il faut le prendre comme vous êtes des familles. Mais Allah dit, wa ma yulaqaha illa allazina sabar. Ça là, c'est pas tout le monde qui peut trouver ça, sauf les gens qui sont patients, ils peuvent supporter son cœur. Sinon, quelqu'un t'insulte en public, il va aller s'asseoir dans un groupe, il va te minimiser, il te fait compétir. Et tu vas le voir lui avec lui. Mais Allah dit oui, mais ceux qui sont patients peuvent faire ça. Donc, allons dans cette patience. Mais c'est pas parce qu'on a parlé ça, les gens commencent à minimiser les gens. Il y a certains gens, il ne faut pas les minimiser. Toute personne qui a l'a placé devant, il ne faut pas les minimiser. Ce n'est pas lui qui s'est placé, c'est Allah qui l'a placé. Allah m'a dit que le mouloukou. Ou bien c'est pas comme ça. Et il a dit quoi? Tout le mouloukou, man? Allah lui donne le pouvoir et donne la place à celui qui veut. Si Allah a donné quelqu'un, ça ne te plaît pas. Pour toi, à chaque moment, c'est pour le minimiser. Tu es en train de fatiguer pour rien. Tant que c'est Allah qui l'a mis. Maintenant, il peut faire erreur parce que c'est un être humain. Si tu vois qu'il a fait erreur, il faut essayer de lui orienter. Si tu ne peux pas lui parler parce que la place qu'il est, tu n'y arrives pas, il faut prier pour lui. Mais doit aussi, est-ce que doit demander autorisation avant d'arriver? Non. Doit demander audience. Tu ne peux pas rentrer dans un palais. Tu ne peux pas rentrer là où il est. C'est qu'il t'est entouré. Bon, il faut prier pour lui. Toi aussi, voilà ce que tu peux faire. Mais rester crier, crier, ça ne vaut rien. Car on doit la compréhension. Il a dit quoi? وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. Allah dit, وَقُلْ dit, toi prophète, Rabbi, oh Allah, أَعُوذُ بِكَ, je cherche protection auprès de toi, مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ, avec les complots, avec les mauvais des démons, shaitan. Wa'a'ouzou bika, et Allah, je cherche protection auprès de toi. Rabbi, oh toi mon créateur Allah, aïe hadouroun, ne laisse pas Shaitan pouvoir m'atteindre. Faut pas qu'il puisse m'arriver, faut pas qu'il puisse me gaspiller toute mon adoration. Ni dans ma prière, ni dans mon jeûne, ni dans mon lecture, ni mon dawa. Faut pas lui donner honneur pour me égarer. Vous avez compris, c'est ça qu'on fait Shaitan. Mais quand il a dit Shaitan, la anatoula Shaitan. Le mot que tu prends pour dire Shaitan, la anatoula, il faut dire Allah, protège-moi, continue. Il n'y a pas dans les versets qu'Allah dit faut maudit Shaitan. Dieu, bon, toi si tu as maudit Shaitan, ça va lui faire quoi? La malédiction d'Allah suffit. Tu es en train de lui maudire, il te cherche. Le plus meilleur arme que tu vas utiliser entre nous et Shaitan, c'est de demander à Allah de te protéger. Wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun. Allah dit fasta izbillah. Innahu huwa sami'un alim. Il n'est pas dit wa imma yanzaghannaka shaytan, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun. Il n'y a pas de ça. Et dit le moment que Shaitan est en train de te faire zizani, prier, faut pas prier. Gêner, faut pas gêner. Draguer, faut pas draguer. Voler, faut pas. Faut dire A'ouzou billahi min ash-shaytan. Faut pas dire Shaitan car là t'es maudit. Ah, si t'es maudit, bon tu l'as maudit, c'est maintenant qu'il va t'égarer pour que vous tous vous partez ensemble. Ce qu'on veut de nous, à chaque moment qu'on parle Shaitan, il faut demander à Allah protège-moi comme tu dis. Parce que Shaitan, il n'y a pas quelqu'un que Shaitan ne peut pas égarer, sauf l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, il est plus âgé que toi. Secondo, il a vécu avec les grands types que toi, tu n'as jamais vécu. Et troisièmement, lui te voit, toi tu ne le vois pas. Et quatrièmement, il a les partisans beaucoup. Dans les sourates, il y a ce qu'il dit, « Walakad adolla minukum jibillel kathiro » Shaitan a égaré beaucoup. Les partisans de Shaitan sont là beaucoup. Bon, lui, ce n'est pas malédiction. Dieu l'a déjà maudit. Dieu a dit, wa inna alayka la anati ila yaumi di. Ma malédiction sur toi, c'est fini. Là, c'est déjà fermé. Tu as demandé à Allah de lui maudire. Tu n'es pas Allah déjà maudit Shaitan. Mais Shaitan a dit, Fabima agwaitani. Et dit, Allah, à travers de les gens que tu m'as maudit. La aqoudannahum siratak al-mustaqim. Tous, je vais les ébarrer. Toute la route qui va faire qu'ils vont t'adorer pour rentrer au paradis, je vais les bloquer. Tu as vu comment il a parlé? Maintenant, à qui tu vas demander ça? Là, que tu vas demander?
C'est à cause de ça. Il y a les gens qui ne sont comme pas chez toi. Il dit là, à toi là, il dit. Il faut dire qu'Allah nous protège. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'Allah nous protège. Chétan, hey, qu'Allah nous protège contre Chétan. Il est fort. Allah dit comment ça, le Chétan is called lil insani ekfur. Falamma kafara kala inni bari uminka inni ahafullah rabbal alamin. Cet verset là, c'est ça que vous allez voir. Chétan, c'est un grand bandit. Oui, écoutez le temps qu'Allah dit. Allah dit, écoutez l'image de Chétan. Chétan est dit l'homme. Comment ça, le Chétan? C'est comme Chétan. Et c'est quand l'insan, c'est lui qui vient mettre dans ta tête. Et que fou, mettre Allah. Quand c'est dit, faut faire. Après, tu vas repartir. Et que fou. Le moment que tu acceptes, falamma kafara, si tu obéis Chétan, tu as maigri Allah. Chétan menace de te dire, il n'est pas le communiqué. Chétan, je ne suis pas avec toi. Il dit, je ne suis pas avec toi. Et va te dire le mot encore qui va te choquer. Il dit, il n'y a pas pour là. Tu as vu, hein? Chétan me dit, moi-même, j'ai perdu Allah. Toi, tu es banni. Or que celui qui t'a poussé, il dit, il n'y a pas pour là, Rabb al-Alamin. Il dit, moi, j'ai perdu le Seigneur de l'univers. Or que celui qui est venu te organiser, orienter, éduquer, comment tu vas faire pour me cuire. Mais maintenant, il a dit, je ne suis pas avec toi. Bon, donc, comme ça, ça a nous de demander à Allah. Le prophète Mohammed, c'est à cause de ça, même la prière, quand le prophète il se met debout pour faire la prière, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui protéger. C'est à cause de ça, quand le prophète il veut commencer la prière, à chaque moment, le moment qu'il a entamé, on a fait et comment fini, et il a fait takbir al-tihra, le prophète il s'éteint. Et il fait dua au istiftah. Subhanaka Allahumma bihamdik. أو وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض أو اللهم باعد بيننا وبين خطايا كما باعد جسك على فين الدعاء صار الدعاء دستفتا لكل كتيبة أنت لو تقول كتير كتير في سماه أبرا قال النبي في فسا إدي أعوذ بالله السميع العليم من حمزه ونفه ونفسه من الشيطان الرجيم أبرا إلى من سورة الفاتحة سبحان الله النبي في إدي الله protège moi contre le shaitan من حمزه avec les amis de Chétan. Wanafi, avec Chétan, son tromperi. Wanafi, avec ses entourants. Il ne faut pas les donner au pouvoir sur moi. Parce que le prophète a dit quand on fait l'argent, Chétan est fini. Mais le moment qu'on veut commencer la paix, il vient. C'est à cause de ça, le prophète a dit ne laissez pas les espaces. Collez les pieds. L'espace, si vous laissez petit espace, il vient rentrer là. Je n'ai pas dit quand tu pries, il faut regarder à ton côté. Tu ne le vois pas. Quran a dit il n'a pas de combinaison sur la. Il te voit, tu ne le vois pas. Parce que Chétan, Dieu l'a donné le pouvoir. Il peut transformer le fourmi. Il peut transformer les chiens. Il peut prendre l'image des serpents. Il peut prendre beaucoup d'images. Il vient rester dans ton côté. Et un moment, il n'est pas encore fait le couille. Mais Chétan va te faire le couille. Il n'est pas encore fait. Il va te faire en bas de ton pied là que ça gratte. Alors que vous êtes en roulement en train de lire. Tu vas te couper pour gratter là. Tu as vu, il t'a fait, tu as fait le coup, il n'est pas encore fait. Chétan, il a des trucs qu'il passe avec ça. Il a des trucs. Ça connaît ça le prophète Mohammed. Il a dit, si tu fais la mission, tu es dans la mosquée. Quand tu attends ton ventre en train de faire courou, courou, courou. Ne sois pas dans la mosquée. Il ne faut pas du temps la mission d'aspirer. Jusqu'à tu attends l'odeur, jusqu'à tu attends les sons. On peut dire le son, le bruit. Tu attends le bruit ou tu attends l'odeur. Là, tu attends la vision d'aspirer. Si le chétan peut rentrer dans ton ventre, le ventre, ça fait courou, courou. Un moment aussi, il ne fait pas ça. Il t'amène, c'est comme tu es pété ou c'est comme tu n'es pas pété. C'est comme j'ai pété. Le prophète a dit, quand tu es dans le but comme ça, travaille avec la sincérité. C'est-à-dire, je n'ai pas pété. Sauf quand tu attends le bruit ou tu attends l'odeur. Là, tu vas aller changer. Il y a les gens, ils restent dans la mosquée, ça les fait comme ça, ils sortent pas faire la mission. Il revient, il est là encore, il sort. C'est Chétan qui te fait sortir, il vient comme ça. Vous avez bien compris ça? Ça a connu ça ici, et il a dit, il faut demander pour Rabbi, oh Allah, à Ouzubika, je te demande, protège-moi, mais Hamazat Shayatin, avec les Isani de Chétan, wa Ouzubika Rabbi, et je te demande toi Allah, à Yahdurun,
ne donne pas les chétans possibilité sur nous. De tout ce qu'Allah nous protège contre les amis des chétans. Hatta ila jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Cet verset, Allah il parle ça sur les koufars. Quelqu'un qui n'est pas accepté là, il a Allah, Muhammad Rasulullah. Le moment que la mort arrive, c'est le mot là qu'il va demander. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Allah dit, l'homme va continuer dans le mécanisme comme ça, hatta jusqu'à Isaja a ahadakum le mautu. Si la mort présente l'un d'entre vous, Kala, il va dire, Rabbi, irji'uni, Allah, faites-moi retourner dans le dunya. C'est comme Allah dit, mais quand tu vas retourner dans le dunya, tu vas faire quoi? Il dit, La'alli, afin que, à amal soliha, je vais faire des bonnes actions, fi ma tarak, tout ce que j'avais négligé quand j'étais dans le dunya. Maintenant, j'ai vu la vérité. Faites-moi retourner. Les versets comme ça dans le Coran sont beaucoup. Allah dit Kalla, Allah dit ça c'est faisable. Kalla, c'est-à-dire on dit non, c'est impossible. Inaha kalimatu. Le mot que tu as parlé là, il dit c'est un mot pour akwa iluha. Tu as parlé seulement. C'est sorti dans ta bouche comme le vent, ça n'aboutit rien. Allah dit la mort quand ça arrive, c'est fini. Wa min wara ibarza. Tu as vu wara. Avant l'arabe, Allah ici, il fait allusion, tu vas dire derrière, or que ce n'est pas derrière, devant qu'on parle. Devant et Barzahou, il y a l'enfer et le tombeau qu'on appelle Barzahou. On appelle ça Barzahou. Tombeau, c'est. Tu n'es pas Yom Al-Kiyam et tu n'es pas aussi dans les dunya. Ça là, on appelle ça Barzahou. Tu es dans un vide qu'on appelle Barzahou. Tu n'es pas encore arrivé Yom Al-Kiyam. Et tu n'es pas aussi dans l'air Abdounia. C'est ça qu'on appelle Barzahou. Et là-bas, quand tu es là-bas, tu es l'homme du paradis, tu seras. Si tu es l'homme de l'enfer, tu seras. Ça, c'est dans les tombes. Qu'Allah nous est présent. Allah dit il a yaoumi yub'asoun. Tu vas rester dans l'air Barzahou jusqu'à le jour que Allah va ressusciter l'humanité. Vous voyez ici là, ça c'est le sur Koufa. Je vais vous citer comment Imam Ibn Kassir a dit. Il a dit Yukhbirullah ta'ala an hal al mukhtadar. Si on dit mukhtadar, quelqu'un qui veut mourir. Inda al mawtu min al kafirin ou al mufratin. Le moment qu'un kafir veut mourir, al mufratin, ceux qui ont négligé de l'adoration. Il peut être musulman, mais il ne considère pas. Peut-être c'est musulman, mais il ne prie pas. Et la prière aussi, le prophète a dit Allah a dit les ébénéna ou bénéna as sola. Famantara kafakar kafar. Il a dit fi amurullahi ta'ala. Ils sont dans les situations de Allah. Ils sont dans les situations de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit wa kilahum inda zalika wa su'alu raj'atan ila dunya li yusrihu ma kana afsuduhu fi muddat hayatihi. Ils vont demander qu'on n'ait qu'à les tarder. Ils sont morts, ils sont arrivés là-bas, ils ont vu comment ça se passe. Ils ont dit, Allah, faites-vous retourner dans les dunya. On va arrondir ce qu'on a gaspillé. Dans les sortes, ils ont dit, Rabbana, absorbna wa samina, farji'na na amal salih, inna mokino. Ils ont dit, Allah, absorbna, on a vu la vérité. Rabbana, absorbna wa samina, on a écouté. Farjina, faut nous faire retourner dans les dunya. Naamal soleh. Wallahi, on va devenir des musulmans, on va faire le bon travail. Il n'a aucun nous. Maintenant, quand on a eu la cécité, Allah dit c'est élémentaire. Même si je le fais venir dunya, ils vont commencer. Un bandit, c'est un bandit. Si Allah parlait aussi, il ne faut pas dire c'est lui qui nous a crié. Moi, je connais les gens qui fumaient la cigarette.
sont malades. Il dit, oh, là, il y a même que maladie là, c'est moi, je trouve la santé. C'est grâce. Non, ça me dit. Mais quand la santé est venue, j'ai un frère comme ça, moi je lui ai posé une question. Et là, à l'hôpital, il dit, tu nous sentais, c'est quand même la cérémonie. Et juste que je l'ai vu avec les femelles, j'ai dit, tiens, avais dit quoi? Ça, c'est petite chose, même ça. Ça, c'est petite chose d'abord, ça, c'est petite cigarette. Parce que cigarette, là, moi, je ne vois pas. Bon, imaginez l'homme qui n'est pas pu combattre avec cigarette, cigarette qu'il ne peut pas laisser. Il peut combattre avec chétan. L'homme qui ne peut pas combattre avec ses arrêts de laisser, s'il y a la guerre des bazar, est-ce qu'il peut sortir? Là-bas, c'est la mort. Il m'a en tape tout le haut, il m'a. On vient tout le cas. Tu pions de qui? Petit bâton là, tu ne peux pas le combattre. C'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'homme. L'homme, il est faible, mais qu'Allah nous pardonne. C'est comme ça, il y a des choses, quand tu es dans les difficultés, tu dis, Allah, si je sors, je ne vais plus revenir. Mais quand tu sors, tu oublies. Oubli vient, ou soit tu négliges pour l'âme. Mais c'est comme ça Allah fait l'homme. Mais ici on parle des koufars. Allah dit même si je les fais revenir, c'est comme ça ils vont venir. Il y a l'autre verset aussi là-bas, Allah dit Yahya Lazina Aman. Il a dit, La tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillahi. Wa may yaf'al zalika fa'ulaika humul hasidun. Il dit vous qui sommes les musulmans croyants. Là, tous les hommes, ne laissez pas votre fortune, l'argent qu'Allah vous a donné. Il ne faut pas que ça va te gagner. Ce n'est pas parce que tu as gagné l'argent que tu deviens paresseux dans la direction. Allah dit, ne fais pas ça. Voilà, parce que tu as beaucoup d'enfants, tu as des enfants ministres, tu as des enfants directeurs, tu as des enfants des présents. Comme ça, tu deviens cocotier devant Allah. Allah dit, ne fais pas ça. En zikr là, à cause de ça, tu deviens rebelle sur l'adoration d'Allah. Allah dit, ne fais pas ça. Mais Allah dit, je vous ai averti. Celui qui a laissé son argent là égaré, il n'adore pas Allah. Ou ses enfants, il n'adore pas Allah. Fa'oula et kapoum la hasiroun. Allah dit, ce sont eux qui sont les hasiroun. Les gens des faillites ont acquis. Après, il a fini là-bas, il dit, wa anfikou mimma razaknakou. Financez ce que nous, Allah vous a donné comme la richesse. Financez, vous mettez ça. Il faut donner ton père, manger. Il faut aider ta maman. Dans ta famille, il faut les aider. Les besoins, quand tu as les moyens, aide quelqu'un. Moi, je parle à chaque moment, cher frère. Wallah, il faut remercier Allah. Si tu as eu la chance, quelqu'un vient dire, il faut m'aider, il faut dire Alhamdulillah. Même si tu n'en as pas. Imaginez si c'est toi qui partais demander. Aujourd'hui, quelqu'un vient te demander, il faut remercier Allah. Parce que le prophète a dit, il dit, souffle. Et de la main qui donne est plus meilleure que celle qui reçoit. Aujourd'hui, Allah t'a fait, c'est toi qui donne. Il faut remercier Allah, il t'a fait, il donne. Si Allah vous dirait, il devait te faire, c'est toi qui reçoit. C'est toi qui vas dire, aidez-moi. Mais toi, c'est les gens qui te demandent. Il faut remercier Allah. Ça coûte ça, si Allah t'a donné, il faut aider et aider le travail d'Allah. Si tu as les moyens, il faut construire les madrasas. On va enseigner les gens islam. Construire les mosquées. Dans les villages que les gens ils souffrent. Aller faire les dispensaires, les hôpitaux pour soigner les gens. Tout ça là, tu as récompense. Allah dit, en fait, comme ma razaknakum. Allah dit, financer aujourd'hui. Mais comme le ayati ahada comme le monde. Avant que la mort va présenter l'un d'entre vous, vous qui ont l'argent, vous n'avez pas pu votre argent pour chercher le paradis. Quand la mort vient, Fayakou la Rabbi, c'est le moment l'homme dit, oh Allah, laoula akhartani ila ajal al karim. Allah, tente-moi un petit temps. Fa'asod daka. Je vais accepter la vérité. Wa'akoun, mina, soleil. Et je vais être parmi les gens qui font du bien. Je vais faire à Sadaqa, je vais témoigner, je serai parmi les gens qui font du bien. Allah dit, Fala yu'arrilallahu nafsan izaja ajaluha. Nous on n'étale pas. Si les délais arrivent, on n'étale pas l'homme. C'est à cause de ça, on n'est qu'à méfier. Ça, c'est exemple de ça ici. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu le mot kalapa. Et l'homme a dit, La Allah a'amal saliha. Je vais faire le bien. Fi ma talak, tout ce que j'ai négligé quand j'étais dans la vie. Allah dit, Kalla. Allah dit, c'est faisable. Et n'a pas calé, tout ça c'est le mot. Ou à Kaïdoua, tu as parlé, mais ça ne sert à rien. C'est fini. Ça ne sert à rien. Allah dit, Wamin Warahi, devant lui, Barzom, il y a les frontières entre Dunia Yom Al-Kiyam. Et tu vas rester là-bas jusqu'à Ilayomi, Yuba Asun, jusqu'à le jour qu'Allah va ressusciter l'argent dans les tombes. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Barzom,
Ça, c'est frontière de Yom Al-Kiyama et Dunia. Si tu es l'homme du paradis, tu seras. Si tu es l'homme de l'enfer, tu seras. Car là, nous facilite. Amen. Et nous fait finir dans l'islam. Amen. Non. فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله سبحانه وتعالى dans cette verset il nous parle affaire de Yom Al-Qiyam. Car la facilite. Certains, ils ont dit il y a trois manières de, qu'on va siffler dans le corps. Certains aussi, c'est deux. Certains disent c'est trois. Premièrement, quand on va siffler, pour que tout le monde va paniquer. Et deuxième, la mort. Et troisième, on va le ressusciter. Certains aussi, si c'est deux, on siffle tout le monde mort et on va siffler, tout ça, on va sortir. Mais ici, on parle des deuxièmes siffles. On est déjà mort. Et on va nous siffler. Tout le monde va mourir. Même tous les anges vont mourir. Tous les gens vont mourir, ça va laisser quatre anges. Malaika Jibril, Malaika Mikaïl, Asrafil, Malaika Mout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va tuer, tout le monde est fini. Il va demander Malaika Mout. Mal bakia ala wajikil art, ya Malaika Mout. Qui est sur la terre? Il va dire bakia ana abduka ta'if, wa Jibril, wa Mikaïl, wa Asrafil. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ya Malaika Mout, izhab okbidu ruha Asrafil. Occupé de roi Mikaïl, occupé de roi Jibril, il va aller prendre les hommes. Allah va demander Mambakia. Il demande, c'est pas qu'il ne connaît pas, mais Allah connaît. Il dit, maintenant il reste qui? Il dit, Bakia, Anta Jalla Jalaluhu, Ana Abduka Ta'if Zali. Il dit, Allah, il reste toi le tout miséricordieux, le puissant, et avec ton serviteur le plus faible qui n'aboutit rien. Malak al-Mout. Allah dit, Mout, Malak al-Mout. Il faut mourir. C'est fini. C'est de là qu'Allah lui-même va faire annonce. A Dunya. Aïna Ashidaruk. Aïna Anharuk. Aïna al-Muluk. Aïna al-Abnai al-Muluk. Aïna al-Lazina akalu ruzki wa abadu gayri. Demani le Muluk. Allah va demander Dunya. Où sont les rivières? Les constructions, où sont où? Tout ce que les gens disent de Dunya. Où Dunya aujourd'hui, il y a ça où? Allah dit, où sont ceux qui disaient que ce sont des rois? Les enfants des princes, ils sont où? Allah dit, qui sont les gens qui ont mangé mon bien et ils ont adoré certaines choses en dehors de moi? Aujourd'hui, qui est le pouvoir? Aujourd'hui, le pouvoir appartient à qui? Imam Ibn Abbas a dit, Allah il va parler ça 40 ans, personne ne le compte. Il dit, l'Allah, il moule courage, il tahar, celui seul Allah. C'est de là qu'Allah veut que maintenant, tout le monde va sortir pour le jugement et il va ordonner à la carte. Asrafil, celui qui siffle, sort. Il va se lever. Il va dire maintenant, il faut siffler pour que tout le monde sorte. C'est de là qu'il va siffler. C'est ça, il dit, Allah dit, Faiza, nous fi hafisou. Quand on va siffler pour que tout le monde sorte là. Ce moment-là, quand on sort là, directement, on sort Yom al-Qiyam. Faiza hum kiyamun, yanzubu. Tu te lèves, tu vois que tu es dans le Qiyam. Parce que Dunya, c'est différent de Yom al-Qiyam. Dunya, il y a des constructions, il y a des arbres, il y a des collines. Mais Yom al-Qiyama, quand tu quittes, tu vois ça plat. Il y a rien. Même la terre, Allah a changé. Le ciel, la terre, tout Allah va changer. Le prophète a dit sur la terre qu'Allah va faire le jugement, on va emballer cette terre-là. On va amener ça au Salah qui connaît. Il va mettre la terre qui est toute blanche. On n'a jamais coulé le sang ni le péché là-dessus. C'est sur ça qu'Allah va rendre une justice. Ça, c'est le grand jour. Mais Allah dit, quand ça va passer comme ça, quand les gens vont se lever, ce moment-là, Allah dit, il fallait ensemble maintenant. Allah dit, il n'y a pas ensemble. Il y a des familles après. Il n'y a pas que celle-là. Celui-là, c'est mon proche. Telle est mon famille. Telle est comme ça. Allah dit, ça, c'est fini. Ça, ça, d'où il y a ici. Mais quand on va siffler, nous tous, on va sortir. Allah dit, là, ensemble. Il n'y a pas l'ensemble. Ça, c'est fini. Mais non, entre les gens. Je dis, nous sommes là. Quand un Togolais voit ce Togolais, frère, Togolais, c'est ah, ça c'est mon frère. Un Malien voit son frère, ah, c'est mon frère. Il va aller voir, c'est mon frère. Mais nous tous, nous sommes des musulmans. Mais Yom Al-Qiyama, cette là, ensemble, là, il dit, c'est fini.
Voilà, il y a ta sœur à Luna. Et personne ne demande pas que j'ai un frère. Il est où? On ne demande même pas. Tu ne demandes pas sur quelqu'un. Vous savez, ici, quand ça fait deux semaines ou un mois, tu n'as pas vu quelqu'un, d'aller causer. Mais le frère, ça fait longtemps, il ne voit pas. Ou bien c'est pas ça. Il a dit, quand on va siffler, on va sortir là. Personne ne demande pas ça. Non. La tante fois, en sort, il y a moins isé. Voilà, il y aura un wali dans le waladou. Ce jour-là, un ami ne demande pas sur son ami. Non, ça c'est fini ça. Papa, c'est Dunia ici. Maman, c'est Dunia ici. Chef, c'est Dunia ici. Excellence, c'est Dunia ici. Quand on s'y fait, on va sortir la soupe, ça là c'est fini. La yes al korib, ani le korinu. ولا يرسله ولو كان عليه من الأوزار ما قل أصغر الزهر et des personnes ne demandent pas parce que le fardeau que tu as regardez Dunia là Dunia ici quand tu vois quelqu'un il a pris certains gros bagages quand tu lui fais salam alaykoum il peut t'accepter non hein يوم القيامة Allah dit ils ont les grands fardeaux qu'Allah nous facilite là en sabba baynakoum la facilité. Voilà, il y a ta sa'aloun, personne ne demande pas tel est mon frère, c'est quoi. Allah dit quoi? Faman thakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Allah dit faman thakulat mawazinuhu. Il a parlé, tu as vu cette jumla. C'est comme ça le Coran. Il a dit quand on se lève, il n'y a pas famille. Ici, Allah n'est pas parlé comme ça directement. Il parle directement maintenant de quoi? De balance. Et il dit là où on va balance. Hein, sans coulette. Il y a le balance de Yom Al-Kiyam. Le balance de Yom Al-Kiyam, personne ne sait pas là où c'est. C'est quand les gens vont arriver Yom Al-Kiyam, Allah va dire les anges, allez ici, amène-moi le balance. On dit le balance de Yom Al-Kiyam, Al-Mawazi, quand les anges même ils vont voir ça, ils vont paniquer. Ils vont demander à Allah, Ya Rabbi, l'iman tuzina bi haza. Qui on va peser avec le travail de celui-là? Ils vont dire, l'iman shita bi halki, à celui que j'ai fait dans ma créature. Les gens ils vont dire Wallahi Rabbana ma abadnaka haqqa ibadata. Allah n'est pas pris t'adorer comme il faut. Quand ils voient les balances, Allah dit Fala da'ul mawazin al kist li yom al kiyama. Fala tuzlam nafsu shi'an. On va mener le balance de yom al kiyama qui est la vérité. Parce que les balances de dunya c'est mensonge. Un moment tu peux payer la viande, on te triche. On te paye le riz, un kilo, tu peux, tu arrives, ça n'arrive pas, un kilo. Mais pour l'yom al kiyama, Allah dit ma voisine le kisti, le balance de la vérité. Et au moment, ce n'est pas les gens qui pèsent là, qui font erreur. C'est les machines qui ne sont pas aussi bien. Peut-être ça peut être en panne, ils ne connaissent pas. Comme ils ne connaissent pas, mais quand ça tire son profit, ils ne cherchent même pas à connaître. Mais s'ils voyaient que ça, ils tombaient faillite, ils devaient chercher à connaître. Mais Yom Al-Kiyam, c'est pour la vérité. Allah dit celui que son balance, on a mis son travail dans le balance. Ça colla. C'est lourd. On a mis sur le balance est parti. Masha'Allah. Dedans, il y a cinq prières. Dedans, il y a le carême. Dedans, il y a le commandant sur le bien. Et il y a le bien qu'il a fait les gens. On a pesé son travail. Son travail est bon. Allah m'a dit, Allah. Amen. Allah dit, Fa'oula, et que ceux-là, comme le mot Filipouna, ce sont eux qui sont les gens de la paix. Ils ont réussi et ils seront reposés. Allah m'a dit, Allah. Amen. Celui que son balance est lourd avec le bon travail, c'est-à-dire ton travail accepté. Alhamdulillah. Si on en paye, on met tout le travail, on va mettre ça, on met dans les balances. Le prophète a dit là où on va balancer le travail de quelqu'un. Quand on amène le bon travail, on met à droite. On met le mauvais travail, on met à gauche. Le prophète a dit sur ce moment-là, tu vas voir les yeux de quelqu'un, ce qu'on va tomber. Il regarde le balance là. Le prophète a dit sur ce moment-là. Personne ne passe par quelqu'un sauf là, sa tête. Tu regardes et balances. Qui sera où? C'est le péché qui sera ou bien c'est ton adoration? Parce que ici on est en train de faire. Tu ne sais pas. Tout ce qu'on fait là, c'est écrit. Les gens, ils sont en train de maçonner. Si c'est vol, on maçonne. Si c'est l'adultère, on maçonne. Calomnie, on maçonne. Tradition, on maçonne. Masala, on a mis ça à côté. Les cinq prières, maçonner. Les jeux, maçonner. Les titres de Coran, maçonner. Zikr, Asaraka, maçonner. Yom al-Kiyama, on amène ici péché, on amène ici récompense, on met dans les balances. On va regarder qui va tirer. Ce moment-là, l'homme, il est grand comme ça.
Le prophète a dit à ce moment-là, personne ne pense pas sur le caca. Sauf sa tête. Et regarde la balance, où ça va peser. Ça sera léger ou bien ça sera lourd. Mais elle a dit, ce que leur balance est lourd. Elle a dit, ce sont eux qui sont les gens de repos. Allah m'a dit, amen. Amen. Deuxième. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. Mais Allah dit ce qu'on va peser leur travail est devenu léger. C'est-à-dire le péché est plus lourd que récompense. Les premiers, les récompenses sont plus lourdes que quoi? Péché. Mais le deuxième, leur péché est plus lourd que le récompense. Le récompense est devenu léger, le péché est devenu lourd. Hafat ay hafat hasanatu. Allah dit fa'ula'ika humul hum fa'ula'ika allazina. Allah dit si sont les gens hasiru anfusahum. Ils ont fait mal à leur personne. Allah dit fi jahannam, c'est dans l'enfer de jahannam qu'on va les amener. Quand ils seront là-bas, haliduna, ils seront là-bas et terrain ne vont pas sortir. Parce qu'ils sont morts avec mes créances. Ils n'ont pas de là, il a haïl là. Mais si c'est un musulman qui a fait les péchés, qui a désobéi à Allah, mais il n'est pas associé, même soit la même jahannam à travers des péchés, mais un jour il va sortir. Vous avez compris? Un jour il va sortir. Quand on donne la compréhension. Un jour il va sortir. Mais si ce n'est pas mes créances qu'il a fait, si c'est certaines désobéissances qu'il a fait, mais c'est fini. Yom al Kiyam Allah, il va lui punir jusqu'à le moment qu'on va le faire sortir. Mais si c'est deuxième essence comme une créance pour sortir l'association qui est mort, Halidoun Ali, il ne sort pas dans l'affaire. Ça veut dire, méfiez-vous de mes créances et méfiez-vous de l'association. Qu'Allah nous pardonne. Non. Talfahou Jouhahoumoun Narahoum Fiha Kalihou. Allah dit Talfahou. Talfahou Jouhahoumoun Narahoum. Et dit l'enfer va bouffer leur visage. Ou soit l'enfer va couvrir leur visage. Et ils sont dans l'enfer. Kalihuna. Les gens qu'on ne va pas considérer, on va les abandonner. Qu'Allah nous préserve. On ne les regarde même pas. Malgré l'enfer va bouffer leur visage. Et Allah dit, on va les. Ils sont dans l'enfer. Kalihuna. Abandonnés. On ne les considère même pas. Non. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. On va les demander, ألم تكن, vous n'êtes pas آياتي تتلى عليكم. Ce n'est pas vous qui êtes les gens qui ont cité mes versets sur vous. Mais فكنتم بها تكذبون. Mais vous êtes les gens qui n'ont pas accepté la vérité, mais vous démentez les versets. Quand vous citez les versets, vous n'avez pas. Vous démentez mes versets. C'est comme ça, Allah va les demander. N'est-ce pas, c'est vous qui êtes les gens qui ont cité le Coran, mais vous dites c'est mensonge. Vous considérez les Bibles qui dépassent le Coran. Tukaziboun. Tukaziboun ayatullah wa kalamur rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Non. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قالوا, ils ont dit, ربنا ô notre créateur Allah. Galabat alayna shikwatina. Écoute le menteur. Et vont dire non, Allah, ce n'est pas de notre tort. Galabat alayna shikwatina. Comme tu as fait, il y a destin de mal, il y a destin de bien. C'est notre destin de mal qui nous a dominés. À cause de ça, wakuna kauman dali. Et on est devenus les gens perdants. Tu as vu ici, ils travaillent avec destin de mal. Or, que ça ne peut pas les aider. Ils ont dit galabat alayna shikwa. Ashikwa, ashakawa. Allah dit Fazakir inna fata zikra sayazakar mayasha wa yatajannabu hal ashqa shikwatuna. Notre malheur que tu as mis destin là, il dit c'est ça qui nous a convaincre. Wakuna kauman dali, et on était parmi les gens perdants. Qu'Allah nous est préserve. Tu as vu ici, et même ils ont reconnu leur tort ça. C'est fini. Allah dit quoi? ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. Ils ont dit, Rabbana, oh Allah, akhrijna minha. Faites-nous sortir dans l'enfer. Fa'in odina. Si nous on retournait dans les dunya. Afwan. Et dit, Rabbana, oh Allah, akhrijna minha. Faites-nous sortir dans l'enfer. Et tu nous amènes dans les dunya. Mais fa'in odina. Si arrivé dunya, si on a commencé encore notre mécréance, là, fa'in nazalimun. C'est nous qui sommes les justes à notre personne.
Allah dit, c'est fou. Tout ce que vous parlez, si je vous amène bien, vous allez commencer. Ils sont en train de négocier avec Allah. Et Allah fait tout retourner dans les dunias. Mais arriver dunias, ce que nous avons vu là, si on recommence encore le mal, là nous sommes les injustes. Allah dit, wa inu du tout, même si on les fait retourner, ils vont commencer. Car on doit la compréhension. Ça, c'est Yom al-Qiyama, ce qui va passer, ce n'est pas encore passé. Mais ce qui est la parole d'Allah est Dieu. C'est comme ça Allah y parle. Mais tous les gens que le prophète a cité, ça, ils devaient repentir, mais ils n'ont pas repenti. Regardez sur la tourmasa. Abilahabi était là, le prophète a dit Tabatiyad à Abilahabi, Mataba. Ma agna anu humaluhu, o ma kasaba. C'est la nara, zat alahabi. Wa muratuhu hamma la tarhata fi dira hablu masad. Et il me dit ça que le prophète, c'est la vérité qui parle. Le moment que le prophète a parlé ça, il devait faire comment? Il devait repentir. Non? Ah, c'est pour vous dire que repentance, ce n'est pas ton malheur. C'est don de Allah. Quand tu vas faire certains malheurs, si Allah il peut bloquer la porte, tu ne vas plus repentir. Tu vois la vérité, mais tu ne peux pas repentir. Regardez, tu as vu, ils sont en train de dire. C'est notre malheur là qui nous a dominés. Nous sommes les perdants. Pour cela, Rabbana O Allah, faites-nous sortir dans l'enfer et remenez-nous dans les dunya. Si on avait dunya, on va faire bon le travail. Mais si on arrive dunya, si on a recommencé le mal qu'on fait, fait une nazo le monde. Là, ce moment là, c'est nous-mêmes qui les injustes. Allah dit quoi? On dit, quand Esau fit, on les a dit, taisez-vous. Dedans. Esau, c'est ça. Taisez-vous. Tu as dit, taisez-vous. C'est le mot, ça prend deux choses. Si on, en français, si on te dit, tais-toi. On te dit, il ne faut pas parler, non? On te dit, ferme la bouche, ne les parle pas. Ça prend combien? Des choses. Tu te tais et tu ne fais pas quoi? Tu ne parles pas. Si on te dit, tais-toi, c'est quand on t'a dit, ferme la bouche, ne parle pas. Mais regardez la parole d'Allah. Il a dit, quand la X Sophia, taisez-vous dedans dans l'affaire. Voilà, en tout cas, il a dit, ne parlez pas. Même s'il dit, ne parlez pas, on sait que ce n'est pas parler, mais Allah, c'est comme ça, il parle. Taisez-vous dedans. Et ne parlez pas. Mais en français, c'est que, tais-toi, c'est quand on t'a dit, il ne faut pas faire quoi. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Si on te dit, tais-toi, c'est-à-dire, on t'a dit, il ne faut pas parler. On ne peut pas. C'est que, tais-toi, ne parle pas. Non, ça ne se dit pas. Mais c'est précision. Tais-toi, ne faut plus parler. Tu as vu, cela là est plus danger. C'est comme ça, montre que vous êtes en colère. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais dans les causeries comme ça, s'il vous plaît, tais-toi. Ou bien, c'est pas ça. Mais maintenant, si c'est pour crier au-dessus de toi, hey, tais-toi, ferme la bouche. On peut t'accompagner, mais ne pas plus. Tu as vu, ça fait des. Ça montre que c'est bagarre. C'est dans le colère. C'est ça, Allah dit, quand la ex-sophia, taisez-vous là-bas. Mais voilà, ton calimoun, ne parlez plus, c'est fini. Je ne veux pas attendre votre foi. C'est à cause de ça, dans l'autre soir, Allah dit, et dit, Allah dit, la ta'tazer. Vous qui sont yahoua les in kafaru, la ta'tazer, yahoua. Vous qui sommes les migrants, ne demandent pas des excuses. Ça, c'est dans l'affaire, c'est comme ça qu'on a crié sur eux. Oh. Allah pardonne. On a crié sur eux. Vous êtes minimistes. Taisez-vous là-bas. Ne parlez pas. Aïe, là, t'en oude, il est sur Aloukoum. Et il ne vous demande pas encore. C'est fini. Certains aussi ont dit c'est pas là qui les a grondés. C'est l'ange qui surveille l'enfer qui les a criés. Malikou. C'est qui a dit et Sophia, taisez-vous dedans. Voilà, tout comme vous, ne parlez pas. C'est là qui les a parlé. Où? C'est là qui les a parlé. Où? Mais si on te dit le deux mots comme ça, ça fait peur. Premièrement, tu es dans l'enfer. On dit ne parle pas. Il faut te taire. On ne veut même pas attendre que tu vas négocier. Parce que ta parole n'intéresse pas quelqu'un. Car là, on se préserve. Non. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Allah dit quand vous étiez dans les dunya, j'avais certains groupes. إنه كان فريق. Parmi vous, il y avait certains فريق, certains groupes. من عبادي, ils étaient mes serviteurs. Dans leur adoration, ils m'entourent 24 heures sur 24 jusqu'à ils demandent.
ils disent Rabbana Yakulun, ils disent Ayyadukun, ils disent Rabbana ou Allah, Amanna, nous on te croit, nous croyons en toi. À cause de notre croyance, Fakfir Lana, pardonne notre péché. Warhamna, avoir pitié de nous. Wa anta khayru rahimin, car toi, c'est toi qui es le meilleur, c'est toi qui es le Seigneur de pardon. Ils étaient là. Il y avait certains qui sont à l'autre côté. C'est comme Alain de me dire, vous qui n'avez pas accepté l'islam, à votre côté, il y avait les musulmans qui priaient. Vous attendez à chaque moment, il dit Rabbana Ekifulana, Rabbana Atina. Mais est-ce que vous les considérez? Allah dit quoi maintenant? فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. Allah dit quand vous voyez à votre côté un certain serviteur qui dit qu'il croit en Allah, ils adorent Allah, ils demandent pardon d'Allah, ils demandent miséricorde d'Allah. Allah dit فاتخذتموهم سخريا. Vous les appelez comme les gens moqués. Quand vous les voyez, vous les moquez. Dites les gars. C'est le Coran qui va te faire cette image comme ça. Quand tu vois ça, tu vas dire, oh, ça c'est la parole d'Allah. Tu as vu cette message, ça fait 1437 ans. Mais c'est comme si on lui dit que c'est descendu. Fatahas tout le monde comme si il y avait. Il dit, regardez. Et quand il voit, il dit, regardez. Allah dit, à cause de cette attitude, Hatta ansaw kum zikri. Vous avez fait comme ça jusqu'à moi, je vous ai fait oublier mon rappel. Quand vous étiez dans les dunya, vous voyez mes serviteurs aussi, vous les manquez et vous riez. Vous les manquez quand vous voyez les musulmans, vous les riez. C'est comme ça les koufars étaient. Ils sont là assis, à côté des cars. Quand ils voient les sahabas du prophète Mohammed, les pantalons ici, avec les kirdans, avec les tribans, ils vont parler, les grands-parents à côté des cars, et ils vont rire. Ils s'assoient là-bas avec à l'école, à côté des Kaaba. À l'époque, à côté des Kaaba, c'est qu'on siège, que tout le monde vient s'asseoir. Le prophète à côté, les grands, grands types pour m'écrire, eux aussi sont à côté. Et ils montrent les musulmans. Vous les appelez comme des choses manquées. Allah dit, à cause de cette manquerie que vous manquez, hâte à ça au Kouzikri. Ça connaît ça dans l'autre sur la dit, yo lesina amanou. Là, t'as connu qu'à lesina, n'a sola, hein, fa'ansa hum. Ne soyez pas comme les gens qui ont négligé sur l'affaire d'Allah. Quand tu négliges sur l'affaire d'Allah, Allah aussi le cadeau qu'il va te faire, il va te faire oublier sur ton honneur. Tout la foi qui va te faire accéder au paradis, Allah te bloque. Ça là, al-sukhriya, moquerie, c'est interdit. Ça peut les savoir, vous voyez, si quelqu'un manquait quelque chose dans l'islam, si tu as vu une femme dans les hijab et tu l'as manqué, ce jour-là, tu n'es plus musulman. Si tu as vu quelqu'un garder le bal et tu l'as manqué, voilà, tu n'es pas musulman. Si tu as vu quelqu'un avec pantalon sauté, c'est sunna qu'il fait et tu lui manques à cause de sunna. Voilà, tu peux monter. Si un connaisseur t'a dit tu es musulman, il te calme seulement. Tu n'es pas musulman. Ton islam est fini. Là, il faut repentir le pain sincère. Sinon, tu n'es pas musulman. Si tu es mort avec ça, c'est direct l'enfer. Tu vas manquer ce que le prophète a amené. Tu vas manquer ce que le prophète a recommandé. Ah bah, toi tu n'es pas musulman. Les sahaba des prophètes Mohammed, c'est la guerre certes, ils sont partis combattre à côté d'Allah. Mais au retour, ils sont en train de dire, c'est un hypocrite dedans. Et dit, tu as vu les sahaba des prophètes. C'est les gens qui ont le gros ventre. S'ils sont à côté des prophètes Mohammed, c'est parce qu'ils trouvent le sacrifice mangé. Et encore dans la guerre, ils sont déjà peureux. Si avec la guerre, ils ont peur. Les deux sahaba de vous là, je vais dire ce que vous êtes en train de parler le prophète. Vous êtes des hypocrites. Le monsieur, il arrive sur le prophète Mohammed. Le prophète a dit, il ne faut pas parler, mais c'est tout de suite que Malaka Jibril vient de quitter. Allah dit, quand ils vont venir, quand tu vas les demander, ils vont dire, il faut les demander, Abillahi wa ayatihi wa rasulu kuntum tastazi'un la ta'taziru kal kafartum ba'da imanukum. Vous n'êtes plus des musulmans, c'est fini. C'est avec Allah et ses versets et son prophète que vous prenez comme des moqueries. Vous n'êtes plus des musulmans. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont en train de dire, ils disent sunna, 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 sunna. Tu n'es pas musulman. Tu n'es pas bon musulman. Ça, ce n'est pas les choses qu'on blague. On peut se blaguer entre nous, s'amuser entre nous. Mais l'affaire des religions, ça, il n'y a pas musulman dedans. Les sahaba qui ont combattu le prophète, Allah n'est pas regardé parce qu'ils ont combattu avec le prophète. Et à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus musulman. Toi, tu as fait quel effort? Aujourd'hui, les gens, quand ils sont assis, ils prennent comme c'est la musulman. Wallahi, les gens, ils manquent l'islam. Hey, attention. C'est comme ça qu'ils ont fait. Allah dit, ils sont là. Fatahatouhum sigriya.
dans le surat al-Hujurat, Allah dit, ya ayyuha allazina amanu la yashar qawmun min qawmi. Vous qui sont les croyants, il ne faut pas certains groupes ils restent pour moquer les autres groupes. Allah dit, vous ne savez pas, asa an yakunu hayran minhum. Peut-être que vous êtes celui que tu es en train de moquer, cher Allah, il est plus meilleur que toi. C'est vrai ou faux? Si c'est l'argent que tu as, peut-être que la foi il te dépasse. Peut-être que asa an yakunu hayran minhum. Il est plus meilleur que toi. Tu es en train de lui moquer. Écoutez ce qui est passé. Certains sahabas sont là, Ibn Mas'ud est monté sur l'arbre pour chercher le king d'Am. Certains ont dit que c'est sur moi, colline, mais c'est sur l'arbre. Le vent fait comme ça, sans soulever son djalbab. Lui, Allah l'a fait, il a les pattes, les pieds, hein, qui sont mes. Quand les autres ils ont vu les pieds là, qui sont mes, ils rient. Ah, regardez comment le pied de quelqu'un mes. Le prophète a dit, vous riez ces deux pieds, ne riez pas. Les deux pieds là. La manière que ça pèse dans les balas, ça dépasse les montagnes de Uhud. Il dit, ces deux pieds-là, si on veut mesurer ça sur le balas, le poids de ça dépasse les montagnes de Uhud. Et les montagnes de Uhud, il ne faut pas comparer ça avec les failles d'Abidjan pour Togo. Ça dépasse pour failles d'Abidjan Togo là 40 fois. Mais il a dit, les deux pieds de Ibn Mas'ud, ça dépasse ça. Depuis ce jour, personne ne peut encore le manquer encore. Vous voyez, ça peut être que tu manques quelqu'un qui te dépasse. Ça peut être ça, manquer dans l'islam. C'est tout de manquer avec la religion d'Allah, ce n'est pas bon. Ça, c'est danger. Si tu es là avec quelqu'un qui fait ça, dis, c'est pas bon. Si tu dis, laisse-moi, il faut quitter, tu partes, le laisses. Il ne faut pas s'asseoir. Quand tu s'assois, il n'a qu'un mesurubon. Ils ont mesuré, tu deviens comme eux. Il faut les parler, ne fais pas ça. S'il dit laissez-nous, il faut quitter. Va. Allah dit Fa'ansakum, Ansaukum Zikri. Et je vous ai fait oublier mon rappel. Vous êtes là, vous riez, vous les manquez, vous les manquez, vous riez. Allah dit Inni jazaytuhum al-yawma bima sabaru annahum humul faizun. Allah dit, inni moi, Allah, jazaytuhum al-yawma. Aujourd'hui, je vais les récompenser. Ça, c'est Yom al-Qiyama. Pourquoi je vais les récompenser? Ma sobaru. La patience qu'ils étaient. Ils ont été patients. Quand vous les manquez, quand vous les insultez, vous les torturez parce qu'ils sont des musulmans. Allah dit, avant que leur patience aujourd'hui, ça, c'est Yom al-Qiyama. Je vais les récompenser. Jazaytuhum al-yawma. Allah dit, ceux que vous manquez dans le bien, et là, aujourd'hui, ce sont eux qui sont les gagnants. Aujourd'hui, ils ont gagné, ils ont le paradis. Mais vous qui manquez, on va vous amener l'enfer. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accepte. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Wa tub alayna ya mawlana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma